Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre vidéo de peinture acrylique. Cette fois, écoutez, je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. Je n'étais pas tellement sûr aujourd'hui où je m'en allais, c'est quoi je faisais. Alors, j'ai pris ma toile, j'ai pris une autre toile ovale que je trouve très intéressante comme toile, là, parce que je trouve que ça sort un petit peu du commun, une toile ovale. Mais j'ai plus la tendance d'aller pour reproduire un genre de planète avec ce genre de toile. Ce que nous allons faire, on va prendre une base de verre et ce qu'on n'a jamais essayé, je crois, là, je suis même pas tout à fait sûr, mais je pense que non. Plutôt que de l'eau avec notre acrylique, on va prendre du peroxyde. Ouais, du peroxyde, on n'a jamais essayé. C'est sûr que c'est un produit, on peut dire chimique, là, mais très soft. Alors, je ne crois pas qu'il va y avoir une grosse réaction chimique entre notre acrylique et le produit lui-même, mais je crois que ça va être quand même intéressant plutôt que l'eau. La seule chose, je vais ajouter du Floetrol. Le Floetrol, c'est juste pour garder ma pigmentation, étant donné que je ne suis pas tout à fait certain de ce qui va arriver avec le peroxyde, parce que je crois que le peroxyde peut être quand même assez probablement nocif pour l'acrylique. Je ne suis pas certain, alors je ne prends pas de chance, je vais mettre du Floetrol, parce que le Floetrol, ça dilue notre acrylique tout en la gardant, en conservant, devrais-je dire, la pigmentation originale. Alors, écoutez, il n'y a pas d'autre manière de savoir. Puis restez à la fin, parce qu'à la fin, on va refaire malheureusement le tirage, étant donné qu'on n'a pas eu de nouvelles de la gagnante il y a 3 semaines, qui était Sylvie Bernard. Mais on ne tiendra pas ça contre elle, parce que probablement, on ne sait pas, elle a peut-être eu de la maladie ou est en vacances. Alors Sylvie, si tu nous joins pareil, ben écoute, ce que je vais faire, c'est qu'étant donné que tu étais la première gagnante, la gagnante d'aujourd'hui se méritera, la gagnante ou le gagnant, se méritera une des trois toiles, une parmi celles-ci de son choix, puis les deux qui restera, ben écoute, en espérant avoir de tes nouvelles et que tout va bien, je t'enverrai quand même ton choix sur une des deux toiles restantes. Alors, on y va, on essaie ça, puis on vient pour le mot de la fin. Allons-y.
Bon, eh bien, quoi dire d'autre que c'est un réel succès? Bon, après ma mort, on doit dire que je trouve que le résultat est très, très similaire d'avoir utilisé à notre acrylique un mélange de colle blanche. Je trouve qu'il y a quand même assez de cellules. Les cellules sont petites. Alors, c'est pour ça que je dis que ça ressemble beaucoup si on avait fait le mélange avec de la colle blanche, parce que, comme vous devez savoir, la colle blanche crée des petites cellules, et puis je crois que c'est un petit peu le cas. La grosse particularité, je suis obligé de vous dire, puis ça, c'est probablement le fait, dû au fait d'une réaction chimique, je crois, entre le peroxyde, le floaterol et la peinture acrylique, on peut voir un genre de mauve et même un petit peu de bleu autour des cellules et de certaines lignes. Je trouve que c'est très intéressant. Ça donne vraiment une autre dimension. Ce que j'ai trouvé, je ne sais pas, là, vous la voyez une fois sèche, mais moi, je viens de la terminer, en fin de compte, puis au moment où je vous parle, elle prend encore des formes différentes. À chaque moment où je vous parle, à chaque seconde, devrais-je dire, ça change, mais c'est incroyable comment c'est beau. Encore une fois, hein, je trouve que c'est quand même assez réussi. Premièrement, une toile ovale. Comme ça, je trouve ça très intéressant. Ça fait changement de l'ordinaire. Et puis, ça nous approche plus vers un... On a plus la tendance à aller vers un fini qui nous donne un fini qui ressemble à une planète. Je trouve que de ce côté-là, c'est vraiment beau. On dirait des tempêtes, hein, des cellules de mauvaise température sur une planète qui est verte, donc une planète qui est plus accueillante que, disons, Mars. Alors, je trouve ça très intéressant. J'espère que vous allez trouver ça intéressant. Là, je vous dis, je vous parle, puis je vois des changements là, qui s'effectuent, qui sont vraiment formidables. À quel point c'est intéressant d'utiliser le peroxyde plutôt qu'un autre produit? Jusqu'à maintenant, au moment où je vous parle, je trouve que oui, il y a une raison d'utiliser le peroxyde. Puis c'est comme je vous dis, ça donne une autre dimension, spécialement aux couleurs, qui nous amène à un fini un petit peu différent. Je trouve ça vraiment intéressant. En tout cas, comme je vous l'ai dit, là, je vois des cellules, là, c'est vraiment, vraiment beau et intéressant. Ah, c'est de toute beauté. Le travail que ça fait, là, c'est incroyable. Écoutez, oui, je l'aime. Hein? Ça, c'est clair, c'est pas de cachette. J'espère que vous allez l'essayer. Pour revenir à notre concours, comme on disait malheureusement, Sylvie Bernard, on n'a pas eu de nouvelles, alors ça fait plus de 3 semaines. Alors, au tirage, là, je vous fais grâce là, des noms que j'avais mis. Là, j'ai laissé ça là. Malheureusement, Sylvie, on l'a retiré. Je rajoute Christine Marty, Miss Catanquette, Alice Aupin, Roger François Simard, Chantal Perrin, ou Perrin, je crois, Liliane Robitaille et Muguette Perrin. Alors, je vous rajoute à notre tirage. On va brasser bien comme il faut. Et puis, on va y aller. Bon. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Allons-y. Si je prends d'attraper un, en voici un. Chantal Perrin ou Perrin. Je crois que c'est quoi que Perrin? Alors, félicitations Chantal. D'ailleurs, je crois, comme je viens de dire, je crois que tu as une nouvelle qui voulait s'ajouter. Alors, tant mieux pour toi. Tu as le choix d'une de ces 3 toiles. J'espère que je vais retrouver la photo, mais je crois que oui. Tu as le choix d'une de ces 3 toiles. Tu m'écris en privé sur mon courriel barbecue, Mike, arrobas. Ah, commercial, je suis encore... les gens qui disent arrobas, vous savez qu'on est des vieux de la vieille. Commercial, @mail.ca. Et puis, tu m'envoies ton adresse et puis je t'envoie la toile que tu as choisie. Alors, écoutez, encore une fois, j'espère que vous avez apprécié. Je vous remercie d'être là fois après fois. Puis, je suis obligé de vous dire que j'ai hâte d'arriver un petit peu là, à l'automne pour me relancer un petit peu plus, parce que j'ai encore un paquet d'idées pareilles, de me relancer à fond à faire nos toiles et toutes sortes de vidéos. En fait, semaine prochaine, j'ai une bonne recette pour vous. C'est vraiment spécial. Et puis, j'ai une petite vidéo que je vais vous montrer. Moi et Nicole, on va à Sainte-Agathe, au lac des Sables. C'est une super belle place. Alors, on vous emmène avec nous. On va manger dans un petit restaurant qu'on va presque à toutes les semaines. C'est un buffet chinois, en tout cas.
vous allez voir, la semaine prochaine. Alors, en attendant là-dessus, encore une fois, merci d'être là. Merci de revenir fois après fois et en espérant que vous avez apprécié et que vous allez l'essayer. En attendant, comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez. C'est toujours apprécié. On se revoit aux prochaines vidéos. Attention à vous. Ciao.